Salut à tous. Alors, juste une petite vidéo pour vous présenter ma solution de localisation de fusée. Voilà, donc j'utilise des modules pour drones. Donc, un, deux, qui sont en paire. Alors, le premier qui se trouve dans la fusée est relié à un GPS. J'ai fait une petite carte maison qui permet de relier donc le GPS à l'émetteur de télémétrie. Et aussi d'alimenter en 5 volts. J'utilise une batterie de cellules en 7,4 volts et donc j'ai mis un régulateur pour ramener tout ça à 5 volts. Donc ça permet en fait d'envoyer les données en provenance du GPS par le module de télémétrie. Tout ça se trouve dans la fusée, ce qui permet d'envoyer la position de la fusée à tout moment. Côté récepteur. Alors côté récepteur, j'ai pareil, donc un module de télémétrie que j'ai mis en réception. Il est couplé à un module Bluetooth. Alors pourquoi un module Bluetooth? De manière à retransmettre vers mon téléphone. Mon téléphone ne peut pas avoir directement un module de télémétrie connecté parce que son port USB n'est pas assez puissant. Il ne fournira pas assez de courant. Donc je suis obligé de passer par un module Bluetooth. Alors, idem, j'utilise une batterie pour alimenter le tout avec une petite carte que j'ai fait pour coupler les deux modules. Voilà, donc pour résumer, on a le module GPS qui est couplé à un module émetteur, le tout dans la fusée, qui transmet la position de la fusée à tout moment. Au niveau de la réception, on reçoit à tout moment avec ce module-là la position de la fusée. Elle est retransmise à l'aide du Bluetooth sur mon téléphone qui ensuite affiche la position de la fusée sur une carte. Le téléphone ayant un GPS à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche également la position du téléphone, ce qui fait qu'on peut avoir la distance, enfin le chemin entre les deux, c'est-à-dire entre le téléphone, là où on se trouve, et la fusée. Et ça permet de la retrouver. C'est aussi simple que ça. Voilà, les modules n'ont pas besoin de carte SIM. Il faut juste avoir prêt à télécharger toutes les cartes sur le téléphone de manière à ce que ça fonctionne à l'étranger. Et après, vous aurez besoin juste du GPS. Voilà, la solution doit coûter environ 50 euros avec des modules de bonne qualité. Pour ce qui est de la distance, les modules, là, je les ai configurés, il devrait y avoir un peu plus d'un kilomètre. On peut avoir plusieurs kilomètres avec d'autres modules ou avec des antennes bien meilleures. Voilà, c'est tout. Salut!